Ok, eh bien, écoutez, je vais passer à Madame la Baronne. Donc, effectivement, vu que tu as prévu de te lever après avoir reçu ce message un peu alarmant de Sophie, donc, tu as décidé de te lever de bonne heure et tu voulais donc Oui. être chez Sophie le plus tôt possible, Oui, si j'ai enfin, bien je compris. prends mon petit déjeuner quand même, hein. Oui, prendre des forces quand même. Donc, voilà, du coup, je pense que j'arrive entre 6h et 6h30. Ah bah écoute, Et voilà. Donc, je monte. Chez elle. quand tu montes à l'étage, tu arrives à sa porte en frappant à la porte. Pas de réponse. Pas de réponse du tout. C'est fermé. Oui, c'est verrouillé. Je vais voir la voisine qui m'avait renseigné la dernière fois. Donc D'accord. je toque à sa porte. Tu dois attendre quand même quelques instants avant que la voisine, que l'espèce de concierge vienne t'ouvrir en finissant Je retoque un peu plus fort entre-temps. Ah bah oui. Donc quand elle arrive, en fait, elle est en train de finir d'enfiler sa robe de chambre et tu vois clairement qu'en fait t'as dû la réveiller. Et elle te dit, mais ça va pas de réveiller les gens comme ça à cette heure-là. Et puis elle finit Je crains par le... te voir, enfin par voir le voilà comment t'es, que c'est elle qui t'a vu, qui vous a accueilli il y a 2 jours. Ouais. Mais je vous connais, vous. Ah oui, vous étiez venu voir la petite Sophie, c'est ça. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce Tout que à vous fait. venez déranger les gens à cette heure-là? Je crains le pire pour Mademoiselle Sophie. Est-ce que vous pouvez m'ouvrir son appartement? Vous devez bien avoir sa clé, voyons. Oui, j'ai une clé de son appartement, effectivement. Ne perdons pas de temps, montons. Je fais en Alors. sorte en fait qu'elle réfléchisse le moins possible. Oui. Bah, elle chope, quand elle te voit te diriger vers les escaliers, elle chope un trousseau de clés. Et tout en montant, qu'est-ce qui se. Vous dites que vous craignez. Vous craignez le Elle. pire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vais peut-être vous avouer son secret, j'espère, je compte sur votre discrétion. Oui. Mais Sophie a autrefois été mariée à un vaurien qui... J'ai des raisons de penser que il est peut-être passé chez elle cette nuit pour lui nuire. Ah, tu vois, elle s'arrête en plein milieu de l'escalier avec la main sur la bouche. Mais Je parle, ma fille. Montez, montez. je savais qu'elle était mariée, mais je ne savais pas qu'elle était mariée à quelqu'un de peu fréquentable. Hier, j'ai entendu du bruit chez elle. J'ai entendu, il y avait quelqu'un d'autre, il y avait quelqu'un avec elle et j'ai entendu, et ça discutait. Oui, vous avez entendu ce qui se disait? Ah non, je ne suis pas du genre à écouter, aller écouter les conversations. Bien sûr que non, mais peut-être qu'il parlait assez fort. Je sais que c'était une voix d'homme, mais je ne sais pas du tout ce qui s'est dit. Mais vous pensez que c'était le. Vous pensez que c'était ce vaurien et qu'il aurait pu lui faire quelque chose? Ah, j'ai reçu un mot de Sophie qui me porte à croire cela, oui. Elle me pressait de venir en toute hâte. Malheureusement, je n'ai eu son mot que tard dans la nuit et c'est pourquoi je suis là seulement maintenant. Ah, tu vois, Allons, dépêchons. elle se précipite, elle te dépasse et arrivée à la porte. Elle est en train de glisser la clé dans la serrure et elle te dit, mais
Maintenant que vous le dites, c'est vrai que j'ai pas vu la petite, je l'ai pas vu, j'ai pas vu hier. Et j'ai entendu du bruit la nuit d'avant. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Puis elle est en train d'essayer d'ouvrir, de déverrouiller. Et elle te dit, mais j'ai l'impression qu'elle a dû laisser sa clé dans la porte de l'autre côté. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Ah, la serrure, c'est une serrure assez grosse, j'imagine, Oui, c'est vu une grosse l'époque. serrure avec les grosses clés. Ouais, je pourrais avoir un crayon dans mon sac à main pour pousser la clé à travers la serrure pour qu'elle tombe. Je tape en même temps plus fort en criant Sophie, Sophie! Oh, tu frappes et tout ça, y a pas de réponse. Tu veux essayer de faire bouger la clé dans la serrure pour essayer de la faire sortir de l'autre côté. Si j'ai Voilà, bien c'est ça. compris. Ok. Pour qu'on puisse ouvrir avec notre clé à nous, quoi. Écoute, enfin, ça s'apparente à vaguement du crochetage, mais Bah, écoute, ça tu vas me dépend faire. si la clé est droite ou pas dedans. C'est ça. Et ben écoute, dans ce cas-là, je vais te demander un jet de chance majeure. Avec un peu de chance, Ouais. peut-être que la clé est quasiment sur le point de tomber de l'autre côté, qu'il n'y a juste pas grand-chose à faire pour la faire tomber. Oh. Malheureusement, t'essayes, hein, pendant plusieurs minutes, mais ça ne bouge pas. Par contre, au moment où tu commences à te dire que à te dire tu vas lâcher l'affaire, tu entends quelque chose, il y a quelque chose qui bouge de l'autre côté. Oh là. Je retoque frénétiquement contre la porte en criant le nom de Sophie et ouvrez. Non, aucune réaction. Par contre, il y a bel et bien du bruit de l'autre côté. Je regarde la logeuse et je lui dis, vous avez entendu? Ah oui, j'ai entendu. Vous pensez que la petite est blessée et Oui, qu'elle ne peut pas nous ouvrir la je porte? me dis qu'elle doit se trouver mal, il faudrait appeler la police. Oh, attendez. Je sais à qui demander. Ne bougez pas, je reviens. Elle redescend. Tu l'entends qu'elle tape visiblement à la porte de l'étage en dessous. Une voix d'homme assez rock qui répond. Et quelques minutes après, un type qui est en train de monter. Il est en pantalon, il est en pantoufles, en marcelle avec les bretelles. Et surtout, à la main, il a un pied de biche. Le type assez costaud. Allez, bougez-vous, ma petite dame, Ah bah oui, au grand mot, les grands je remèdes. me pousse. Et Je me pousse dès que je le vois arriver d'ailleurs. il plante le pied de biche dans l'encadrement de la porte, et d'une bonne torsion, il fait sauter le, il, en fait, il force la porte, il arrache, voilà, il a complètement arraché le truc. La porte s'ouvre sur le petit appartement, donc, de Sophie que tu as visité 2 jours plus tôt. Et vous êtes tous les trois stoppés net dans l'encadrement de la porte, puisque au milieu de la pièce, au milieu de la pièce, en train de bouger, mais très légèrement. C'est vrai que les bruits que tu avais entendus, c'était pas un boucan, un vacarme, c'était juste quelque chose qui avait l'air de bouger. En fait, au milieu de la pièce, il y a une espèce de bestiole, encore une, qui, ouais, tu dirais que ça ressemble vaguement à comme une méduse, une espèce de grosse masse de gelée avec des tentacules, avec pas Oh. mal de tentacules, qui est en train de légèrement tressaillir, sur le sol. Quelques tentacules qui sont agrippés au lit, en fait, c'était ça, c'est que visiblement, en tressaillant, elle fait un petit peu bouger le lit et les pieds frottent un peu sur le parquet. Et c'est ça que tu avais entendu. Et le type qui, avec son pied de biche, qui était au milieu de la porte,
Bon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Il vous pousse, en fait, il vous empêche de rentrer dans la pièce là, pour le, voilà, pour vous protéger. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Oh, c'est répugnant. Il y a aussi une odeur hein, qui flotte dans l'air. Hein. La logeuse qui vient de s'affaler, de tomber dans les pommes juste à côté de toi, de s'affaler comme un sac. Et donc le type tout de suite se penche, lâche son pied de biche, se penche et commence à tapoter un peu le visage de la concierge pour essayer de la. Je lui fais, mais je m'occupe d'elle. Occupez-vous de cette chose plutôt. Prenez votre pied de biche là et allez-y quoi. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je sais pas, moi, taper dessus. Oh, il chauffe son pied de biche, il s'avance dans la pièce, un peu hésitant. Et une fois qu'il est près de la bestiole, il donne un, deux, trois coups de pied de biche. Donc ça, le premier, ça fait pas grand-chose. Le deuxième, par contre, ça ouvre une partie donc de l'espèce de toute la du corps de l'espèce de méduse. Les tentacules s'agitent un petit peu plus, il colle un troisième coup de pied de biche, et au quatrième, en fait, il prend le pied de biche à l'envers, et il le plante carrément dedans, ça s'est même carrément fiché dans le plancher. Et l'espèce de méduse finit par arrêter de tressaillir et ne bouge plus. Ouais, moi une fois que sidéré, j'ai fini de voir ça. Avant de faire autre chose, je prends mes selles dans mon sac et j'ouvre le flacon sous le nez de la logeuse. Qui se réveille un peu en sursaut au bout de quelques instants qui en fait qui est en train de qui se signe tout de suite et qui commence à qui n'arrête pas de répéter mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu et qui met même ses mains devant ses yeux pour ne pas voir dans la pièce. Ok, moi par contre je regarde dans la pièce parce que ça y est quand même de trouver Sophie. S'il faut entrer, j'entre. Ah bah écoute, quand tu rentres, alors le type est resté, il est quasiment les bras ballants devant le truc, il te regarde sans de pas savoir quoi faire. Et dans la petite pièce, comme je t'avais dit, c'était vraiment minuscule. Et nulle part, il n'y a aucune trace de Sophie. Même Aucune sous le lit. trace. Même sous le lit, il n'y a aucune trace de Sophie. Seule petite chose que tu trouves. Un petit peu difficile à interpréter. Il y a un tas de vêtements. Alors, il y a une valise ouverte sur la petite table avec pas mal de vêtements pliés, rangés dedans. Et il y a aussi une chemise de nuit et des sous-vêtements qui sont posés en vrac sur le lit qui était défait. Mais voilà, c'est posé en vrac sur le lit comme quand quelqu'un se déshabille et met. Jette ses vêtements. Bah, je Tu vas me serais faire aussi parti en hâte. un petit jet de trouver objet caché, s'il te plaît. Ouais. Ah. Dans la pièce, alors c'est presque imperceptible. Mais tu as vu ces quelques traces-là, à moitié sous la méduse, sous la créature, tu as remarqué deux traces, des empreintes de pieds, des empreintes de bottes. Pourrait être celle de Sophie? Non, pour toi, c'est vu la taille, c'est au moins du 44-45. Donc elle n'était pas seule. Donc elle a bien pu partir avec quelqu'un, ils ont laissé ça derrière elle, mais pourquoi? Bah, c'est surtout qu'ils ont laissé ça avec la clé dans la serrure. Ouais, mais la baronne, elle en est pas là encore. Il y a dans la pièce, ton jet de trouver objet Pardon. caché, je vais m'en servir aussi pour ça. Dans la pièce, T'inquiète. en fait, il y a il y a il y a aussi tout ce qui est son manteau qui est accroché à un porte-manteau derrière la porte. Il y a ses chaussures qui sont dans la pièce. Ouais.
Il y a aussi tout ce qui est. Il y avait un petit peu de maquillage, avec un peu de poudre et tout ça. Il y avait un peigne. Tout est posé dans la pièce. Voilà. Comme si elle s'était. Voilà, elle était allée se coucher. Et oui, quand tu regardes un petit peu l'ensemble, t'as pas l'impression qu'elle soit partie. En plus, Alors vu je comment dis elle à... avait l'air de vivre assez chichement, voilà, quand tu étais venu la première fois, il n'y avait pas trois ou quatre manteaux accrochés. Il y avait un manteau un peu épais pour l'hiver et un manteau plus léger pour la période où, là où... enfin pour le printemps. Mais il y avait rien de plus. Et ben là, tout est là. Rien n'a bougé. La seule chose qui manque, c'est Sophie. Je regarde la logeuse et je dis, avez-vous un téléphone pour appeler la police? Je crains que Sophie ne se soit fait kidnapper. Enfin, emmener de force. Ah, pour appeler la police, il faut aller au bistrot qu'il y a là-bas, au coin de la rue. Eh ben, allez-y, ma fille, allez-y. Prenez Bon, donc un cognac, ben, ça vous remontera. elle descend, elle file. Le type qui est toujours là à côté. Mais je comprends pas. Comment ce truc-là est arrivé ici? Comment voulez-vous que je le sache? Il est. Oui, il arrache le pied de biche, hein, il le récupère. Et en fait, la créature était déjà en train de commencer à se liquéfier tout doucement, à fondre. D'accord. Bah écoute, si tu attends le retour de la concierge, Ah elle bah j'attends revient même 10 bonnes minutes. l'arrivée de la police. Bah, 10 minutes après, elle revient en te disant que la police devrait arriver d'ici peu. Et effectivement, 30 minutes plus tard, quelques policiers envahissent la pièce. Entre-temps, la bestiole a totalement fondu. Il n'y a plus qu'une espèce de flaque visqueuse au milieu de la pièce. Et va commencer un long interrogatoire de savoir qui tu es, ce que tu fais là, et qu'est-ce que c'est que cette histoire de Sophie, que Madame Ferrier aurait disparu, t'avais l'air de dire qu'elle a été kidnappée, voilà. Donc ça va être là, ça va prendre quand même pas long, presque une bonne heure et demie. Ouais. À ce qui te pose plein de tout un tas de questions, savoir un peu. Voilà, donc je suppose que tu restes sur ta version de elle a dû être kidnappée. Ah ben, je montre même le mot que j'ai reçu dans la nuit. J'explique que c'était un mari violent et que toutes ces affaires sont là, quoi. Que c'est très étrange. Est-ce que tu le nommes, tu nommes clairement Vincent Ferrier? Pas si on me le demande pas, mais si on me le demande, oui. D'accord, oui, bah, à un moment donné, on va te le demander. Tu as l'air d'avoir une idée de l'identité de celui qui aurait fait ça. Il Bon. s'agissait de Vincent Ferrier, l'aviateur qui a disparu. Les deux flics se regardent. Ah, visiblement, ça éveille pas mal leur curiosité. Bon, écoutez, si on a d'autres questions à vous poser, où est-ce qu'on va prendre votre adresse? Ils prennent ton adresse et si on a besoin de vous poser des questions, on viendra chez vous. On viendra vous voir. Et puis bon, comme on n'a J'espère plus qu'ils rien sont à un te. petit peu impressionnés quand je leur donne mon adresse. En fait, t'as l'impression que ils sont préoccupés par autre chose. Ah, d'accord. Mais Voilà, c'est le vous fait que pensez pouvoir la que t'es. retrouver? Ne vous inquiétez pas si. On sait tous que on a tous entendu parler de cette histoire
de cet aviateur qui a disparu. Il y a du monde qui est à sa recherche. Si c'est bien lui qui a embarqué sa femme, on la retrouvera en même temps. Donc, mais voilà, ça va très certainement intéresser les inspecteurs. Et Ok. sur ce, il te remercie et tu peux, voilà, il te dit que tu peux vaquer, tu peux aller. Bah moi du coup quand je Tu peux partir. suis libre de mes mouvements, je... Bon d'abord je remercie la logeuse et le voisin quand même, hein. Qui n'ont toujours pas l'air d'avoir compris ce qui s'est passé. Bah ils La pourront logeuse, en parler longtemps. elle est clairement. Ah oui, voilà, la logeuse, elle est clairement sur cette idée comme tu lui as raconté que c'est un vaurien qui est certainement venu embarquer sa femme. Elle est là-dessus. Hein. Ok, Elle elle a abonde dans oublié ce la sens-là méduse. auprès des flics. Ah bah par contre oui, quand les mecs ont parlé de. Enfin, quand le type a parlé de la méduse et tout ça, et même elle, bon, ils ont commencé à mettre ça sur le compte de. Bon, il n'y avait pas beaucoup de lumière dans la pièce. Ils étaient peut-être mal réveillés, ils ont peut-être pas forcément bien vu. Et puis voilà, il y a juste un truc, quelque chose qui a coulé au milieu de la pièce, mais voilà, c'est. Ça, ils le prennent pas spécialement au sérieux, par contre. Ok, moi de toute façon, j'ai pas du tout abordé cette chose-là et que monsieur en parlait, je regardais un peu ailleurs. Ou l'air un peu étonné plutôt. Mais enfin, sans plus quoi. Je me faisais petite en fait. D'accord, très bien. Écoute, oui, tu finis par pouvoir quitter le. Par pouvoir quitter l'appartement. Donc tu voulais rejoindre Jules, Elisabeth et Bernard. Je vais voir s'ils sont toujours à l'hôtel, lui. Maintenant, il doit être un peu. Je pensais les rejoindre plus tôt, mais. Oui, En c'est fait, vrai je que tu avais pensais prévu de les embarquer rejoindre un petit Sophie peu et plus tôt. puis. Et puis les rejoindre. Effectivement, au début tu disais que tu pourrais être à l'hôtel d'Alsace vers 7h30, 8h, là quand tu y arrives, il est largement, il est un bon 9h, 9h30.